Re-YouTube. Hello YouTube. On se voit déjà pour la deuxième vidéo. Comme j'ai annoncé, ici c'est un 105 kg développé couché, c'est mon record perso. Il n'est pas super net, un petit peu fébrile. Je vous laisse voir. Cette vidéo n'a lieu que pour archives personnelles, qui voilà, ça me laisse une trace de mon travail. Puis ça me montrera la progression dans les mois à venir. Comme j'indiquais aujourd'hui, je suis quelques reps à 100, un max à 105 qui est difficile, je ne vois pas faire 110 tout de suite, j'attendrai d'être beaucoup plus à l'aise sur les 105 et de faire au moins 5 reps à 100 pour pouvoir dire, prétendre un essai à 110. Je vous laisse visualiser ces quelques images, puis on en parle après. Bon, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un petit peu difficile. Donc ce n'est que du travail, c'est ça qui est positif. Je me rappelle une époque où 80 kg pour moi c'était le bout du monde. Est arrivé le passage à la barre des 100 écologiques. Désormais, je vise un 110. Donc on va y donner simplement le temps, il n'y a pas d'urgence et puis il n'y a pas de compétition. La seule compétition, c'est avec moi-même. Le problème, outre le cadrage dégueulasse de cette vidéo faite à l'arrache, dans un basic fit bondé, c'est difficile de travailler en sécurité lorsque vous êtes tout seul et lorsque vous bossez seul. J'ai pas de gym partner ici. Bon, c'est pas que j'ai pas d'amis, hein, mais en tout cas pas d'amis à la salle. Et comme je bosse un peu solo, donc je suis extrêmement prudent avec le poids. Avant de partir sur des poids plus importants, je m'assure d'être bien à l'aise pour éviter de me retrouver avec la barre sur la gueule et d'avoir l'air complètement ridicule. On voit suffisamment de cliquets dans les salles de sport pour ne pas reproduire la même chose. Donc prudence et patience, ben, ce sera les mots. Régularité, prudence, patience, ambition. Merci à vous de me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire. N'oubliez pas d'enclencher la cloche des notifications et puis laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est bon a priori pour le faire aussi. On se voit sur une prochaine vidéo. Cette prochaine vidéo, ça peut être très très rapide. Je pense, trail, enfin, pas vraiment, rond de course, Puy-de-Dôme, Auvergne, je vous en dis pas plus. Bye bye, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, muscu, peu importe. Ciao!